Et partie 85, du coup, comme je disais, on enchaîne. Donc, des cactus, des espèces hostiles, une planète avec des températures très hautes ou très basses, ou très hautes et très basses enchaînées. Impeccable, c'est ça qu'on aime. On est en mort permanente, on n'est pas là pour faire du camping. Trop bien, j'ai scanné un caillou. Ça va. Il est gros, mais il est pas méchant. Merci. Beaucoup plus utile. Clac, clac, clac. Ouais, ça c'est scanné. Et ben on va visiter la base. Bonno, il a Bonno. Clac. 9, 9, 9. Celui-ci. Signal detected. Question c'est, est-ce que j'ai encore besoin de nanite? Je ne pense pas. Donc, allez, dépatouiller ça, c'est pas forcément très intéressant. Tac, ça, ça va, c'est cool. Fais gaffe s'il y avait des oiseaux, j'étais tellement occupé à me battre contre tout ce qui était à côté de moi que je n'ai pas fait attention aux volatiles. Allez hop, on se casse. Puis après le signal là-bas, honnêtement, moi je bouge, hein, c'est bon. Plein de l'eau de leurs histoires de planètes à la con là. Signal détecté, c'est où? C'est le cargo. C'est pas ça. Merde, c'est bon. Ça me va. Oh, c'était rigolo, mais bon, faut pas abuser des bonnes choses. Découvert ceci. D'accord, je vois c'est quelle planète. Est-ce qu'il n'y a pas une autre planète à visiter? Celle-ci. Celle-ci. Planète abandonnée. Donc ça, on laisse tomber. Ça. Planète givrée. Tiens, pour faire celle-là. Celle-ci, non découvert. Abandonné aussi. Sérieux lui? Oui, je t'ai rien fait, tu m'agresses là. Con.
Hey, t'es où, bâtard? Alors, où en étais-je? Scan de planète. Oui, donc ça c'était fait. Ça, on a dit que c'était une planète abandonnée. Celle-ci, je devais la scanner. Verdoyante. Allez, soyons fous. C'est toujours sympa les planètes verdoyantes. Putain, ce bâtard il m'a mis cher. Hein. Exocombi. J'ai un stock. Ok, c'est cool. Iridium platine. Bon. C'est pas trop mal là. Multitoot, on va le recharger aussi lui. Foutez-moi la paix à la fin. Trop tard. Pom 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 pom. Je suis déjà à portée de la planète, donc j'y vais. Mais... Clac. Allez, on va faire une petite planète sympa de roche avec des sentinelles hostiles, on va faire plein de zinc. Et voilà, c'est ça qu'on veut. Directement posé sur un landing pad, impeccable. Pas mal, mais j'espérais quelqu'un d'autre. Désespoir, énergie faible, donnée isotope. Oh, ça t'amuse. Tiens, je suis sympa. Blabla, pas compris. Tiens, prends tes sous et casse-toi. Pouf, quelle merde. Multitool, j'en aurais pas eu des milliers de bons, hein. Erox. Trophéum. Mordite, on va regarder. Lébium. Vent. Gragra, peut servir. Qu'est-ce qu'il vend, lui? Du plutonium. Fer. Tamium, j'en ai un stock. Zinc, j'en ai encore un stock pour l'instant. Bon, allez hop, flûte. Ça ira bien. Je me tire. Comme dirait Rudy Raoult. Laisse-toi.
Clac. J'ai cru voir faune déficiente. Parce qu'il n'y aura pas beaucoup de bestioles ici. Ceci étant dit, est-ce que c'est grave? Je ne crois pas. Fiche. Tac le gros arbre, tac le petit arbre, tac l'autre petit arbre. Toi là-bas, je te démonte. Merci. Oh. Les perles de je ne sais plus quoi. C'est ça, bulbe d'étoile. J'étais pas loin. Ce qui est bien sur ces planètes là, c'est que vu que les sentinelles sont déjà hostiles, tu te dis pas non, je vais pas farmer, les sentinelles elles vont me saouler. Rien à foutre, t'y vas. Pas le temps de niaiser. Ah, faut que j'arrête avec ça, bordel. Et qui avait quoi qui me regarde? Je vais passer pour un couillon. Tout, j'ai un accent, une imitation d'accent québécois à chier, c'est l'enfer. Et belge, pas mieux, hein. Excuse-moi, je t'avais pas vu. Blablabla, bla bla bla, apprendre des mots, merci. Balader sur cette planète jusqu'à ce que le jour se lève, et une fois qu'on aura vu ces splendides paysages de jour, je vais me crasser. Le max. Vraiment l'air jolie cette planète. Petit nuancier d'herbe, c'est sympathique. Le bonheur est dans le pré, comme on dit. En parlant de ça, j'ai des pousses dans mon jardin, j'ai un stock de fraises qui arrive. Là, on est le 25 avril, j'ai déjà des trentaines de fraises. Je suis parti sur mes 6 pauvres petits pieds. Je suis refait. Je n'ai jamais eu autant sur mes pieds de fraises.
Je sais pas si c'est le climat qui fait ça ou parce que les pieds ont vieilli et qu'ils produisent mieux, mais c'est sympathique. Nope. Give me your carbon. De base sur des étendues comme ça, donc on va aller par là-bas. Qu'est-ce que je disais? 2 minutes. Tac, 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 ça va recharger avec Voltarium, tiens, il y en a plein, ça. Ici. Ok. Ouais, c'est pour la bosse du siècle, c'est pas grave, ça suffira bien. Allez, farmons. Ils ne m'attraperont jamais. Bon, je pense que mon inventaire c'est le merdier. Qu'est-ce que je disais? Claque. Vaisseau. Il est chargé. On ne peut plus charger par rapport à sa taille. Ça c'est bon. Eh bien, c'est rougeoyant comme système.
J'avoue, j'ai hésité à tirer. Il me dit 1 contre 3, c'est la merde. La joie. Mais s'il y a des choses, est-ce qu'il y a une balise pour se poser? Ce sont que des nanites. Par contre, il y a une base là-bas. Tac. Résidu visqueux, ça va être un truc qui va être ultra demandé dans la prochaine extension. J'en aurai pas un sur moi. Analyser le journal de bord. Là, 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 là c'est quelque chose de mon propre voyage. Il n'y a vraiment qu'un seul texte, quoi. C'est un peu dommage. Dernier équipement, enfin mon dernier emplacement que je veux de stock. Ça c'est cool. Bon, ça aurait été une petite planète sympathique, ma foi. Peut-être qu'on va casser trois pattes à un canard, mais... Professeur de décollage non chargé, forcément. Tac. Voilà, je peux recharger. Allez, là-dessus. Et ce sera bien assez pour moi. Et ben c'est pas mal. 4 électrons, 4 trucs. On va faire quelques cellules de warp encore. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as rien à foutre.
je veux faire ma base, je peux. Mais je ne veux pas, donc je ne fais pas. Et ce sera bien ça. Pour terminer. Cette planète. Plutôt solide les gisements de plutonium ici. Comme j'arrive à tirer pile poil à côté trois fois de suite hein. Où est l'entrée de ce truc là-haut? Débarrasser des sentinelles, sinon on va me faire chier. Bon, elles sont parties. Tant pour moi. Togitek premier né, s'en aller ou se prend. Ma désobéissance. Bon, bah tant pis. Allez. Garçons. Si la planète glaciale a des arguments en sa faveur. Et c'est celle-là. C'est ça. Comme ça après on se rabat sur le monolithe, on passe à la station, éventuellement, et on change de système. De thymium a fondu. Qu'est-ce que ça fout là ça? Dans la combi, allez hop. Ça je vais le revendre. On revend.
Phoenix avec quoi ça? Tac. Chair de cactus et bleu d'étoile. Il en manque tant que ça. Oh la flemme. Bon. Si je peux, je le revends. En termes de cellules de warp, je pense en avoir assez pour atteindre le centre galactique. Rien à cirer. Putain. Ok, voilà. À peine commence à arriver que déjà il te pop à la gueule là. Moins moche que ton copain de tout à l'heure. Qu'as-tu à me proposer? Pas compris, mais bon. Hyperpropulsion plus 1%. Ça commence à être intéressant. Le design est coquet. Hyper propre. Et point de portée. Allez, de toute façon, ça se revend. Et voilà, j'ai un cargo. Portée propre propulsion 505. Donc mon vaisseau, il est à 600. Avec deux améliorations. Donc le cargo. Ce que je peux faire, c'est lui mettre ça. Cristal gelé et iridium. Eh bien écoute, ma foi, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais récupérer du cristal gelé. Stade gelé, planète de givre, reine des neiges, libéré, délivré. Parce que oui. J'ai cette chanson en tête encore. Bordel. Allez. Ça va large. Donc il faut 1000 de cristal gelé. Si j'ai un peu moins, je pourrais compléter avec ce qu'il y a sur ma planète à moi. Mais il faut beaucoup. Et ben au moins on a un objectif. Allez, soyons fous, posons-nous ici. J'espère que c'est pas une planète de l'enfer comme tout à l'heure, hein, avec les cactus, 15 types de bestioles hostiles. Faune modérée. Bon. Ça commence pas trop mal.
de vie détectée. Impeccable. Kidoki. Je prends un SMS, hein. Je précise, je dis pas okidoki dans le vent. Tac. Et tac. Il y a combien? 18 minutes. On cherche des fleurs bleues. C'est ça que je cherche. Prédateur volant. Il est gros en plus. Ces cris de bestioles vont me saouler, bordel. Hein. Toujours besoin de fer. Alors, est-ce qu'il y en a par ici? Ça va pas trop l'air en attendant, il y a du titane, ce qui peut être utile aussi.
Ça se sent que je suis en train de faire des stocks pour la grosse aventure qui m'attend quand je vais devoir warper à travers le portail ou pas? Parce qu'en fait là techniquement j'ai... Enfin... En termes de... Oh bordel le bestiole. En termes de ressources j'ai déjà largement assez pour me balader toute la journée, mais... Quand je vais devoir passer à travers le portail, il va falloir que j'ai pas mal de choses sur moi pour pouvoir assurer le coup. Le temps de retrouver ma... Ma base. Je suis un pacifiste extrémiste. C'est-à-dire que je tue ceux qui veulent tuer. C'est un peu une doctrine à la con, mais bon. Dans un jeu, ça marche. Pom 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 pom. J'étais à 18 minutes, je suis plus qu'à 13. Ça avance doucement. Une bestiole m'agressait, je me suis dit que peut-être il allait avoir de l'action, mais non. Visiblement, c'était une blague. Ah, c'est cool. Tac, tac. Rien par là, rien par là et rien là-haut. Tant pis. C'est quand qu'il fait jour et que je vois quelque chose? Je suis sûr, j'en ai raté des dizaines de plantes. Dans le noir, une lueur maléfique. Clac, clac, clac. Ah, on a une étape.
J'essaie d'observer, mais du mal hein, quand même. Ah, le jour se lève. Avec lui les couleurs, et avec les couleurs, la facilité de repérer. La nuit se termine que je me tape une tempête, c'est quand même pas de bol. Ah. Intéressant, intéressant. Il est sympa le truc, j'aime beaucoup. Par contre, s'il pouvait rester loin de moi, ça m'arrangerait. Du coup, ça l'aurait arrangé aussi lui, hein, mais bon. Où est cette foutue base? Pas loin pourtant. Voilà autre chose. J'avance vers une base depuis 5 minutes, elle est où? Elle est là, la base. Un trou. C'est l'idée. Base, base. Je vais ruiner là. Ouais, sauf que je suis sorti là-bas. Et bah écoute, zinc. Ah.
l'impression que c'est vachement plus simple de jouer au rein. Pas trouvé beaucoup de... C'est un peu... Désolé, c'est un petit peu de la course, là j'observe beaucoup, je parle moins. Mais là, c'est pas évident en termes de recherche de ressources. Ces foutues plantes de glace, elles sont pas très très courantes sur cette planète. Combien j'en ai, mais en termes de globalité, je dirais simplement pas assez. Ensuite, recharger les batteries. Alors, le thallium. Tac, technologie. Toi. On te recharge. Le vaisseau, il est rechargé. À part ça. Multitool. Oups. Ça va, c'était raisonnable. Plutonium ici. Et on va sortir. On va laisser ça comme ça, ça ira très bien.
Clac. Il fallait de l'iridium aussi, tiens, j'ai oublié ça. Qu'est-ce qu'on est censé trouver cette planète? Sur l'iridium, c'est des gros blocs rouges. Si j'en vois un, je devrais le repérer. Ça va être le truc le plus rare. Qui me parle ? Trop de bestioles, silence! Vous m'énervez. Je n'arrive pas à réfléchir. Alors, ça c'est intéressant, mais c'est pas ce que je cherche. Pas ces trucs là. Hop là. Ouais, ça fait une portion d'une heure déjà. On va faire une coupe sauvage à mon avis. Allez hop, partie 85. La course traverse la toundra. Je l'ai. Fin du morceau. Clac.